petit crochet, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons faire ce très joli poncho rectangulaire avec une torsade à l'avant, une torsade à l'arrière, un col roulé, très très grand col roulé. Vous allez voir, c'est un modèle qui est magnifique. Moi, je trouve que la couleur est super belle. J'ai mis des petits boutons en bois sur les côtés et j'ai utilisé de l'acrylique. Donc, vraiment très économique comme ouvrage. Si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Bravissimo qui est un fil 100% acrylique certifié Ecotex. Grosse pelote, alors j'en ai pris deux des pelotes, peut-être que je vais en avoir besoin que d'une seule, mais il faut savoir que quand on fait des torsades, ça nécessite quand même pas mal de fil. Donc, cela dit, ces pelotes sont très très économiques parce qu'elles pèsent 500 grammes et mesurent 1500 mètres. Accrocheté avec des crochets entre 3 et 3,5. Voilà, moi je vous conseille toujours de tester les crochets avant de commencer. Moi c'est ce que j'ai fait. La couleur c'est un gris chaud, une sorte de taupe, couleur que j'aime beaucoup. Alors justement, je vais utiliser un crochet d'une taille de 5 mm car on va faire des torsades et faut pas trop serré, enfin comme on a pas mal de manipulations, faut être quand même confortable avec son crochet. Je vais prendre des boutons en bois de 3,5 cm de diamètre que j'ai acheté je crois chez Amazon. On va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et bien sûr je vous mets la quantité de fil que j'ai utilisé pour une taille ML et les boutons et tout le matériel en barre d'informations. Je vous ai fait un petit schéma vite fait. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Vous n'êtes pas obligé de faire des torsades à l'arrière. Pardon, à l'arrière. Hein. Moi, je vais faire des torsades à l'avant et à l'arrière parce que j'adore ça. comme je vous expliquais, on va faire une taille ML. Alors, que je vous explique. Hein. Ça, en fait, ce n'est pas terminé, mais... c'est pas terminé. C'est-à-dire, on va d'abord se concentrer sur le motif central, les torsades, dont on va avoir besoin de 12 mailles pour le faire. Ici, moi, je vais utiliser 36 mailles et 36 mailles de l'autre côté pour que ma torsade soit bien centrale. Vous pouvez utiliser le nombre de mailles que vous voulez ici et ici, ça dépend de la taille que vous allez faire. Moi, par exemple, ma largeur, elle est de 61 cm. Quand je vous dis qu'elle n'est pas terminée, c'est parce que ensuite, je vais rajouter ici un point, des points élastiques. Ok, et je vais placer les boutons à peu près là et là. Donc, ici, pareil. Et pareil. Alors, donc, voilà, les 61 cm, c'est vraiment ici à ici. Ensuite, c'est une sorte de poncho qui se porte oversize, donc n'hésitez pas, là vous pouvez y aller. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire une taille juste. Hein. Donc, pour travailler, je vais partir sur... une base chaînette de 84 mailles en l'air pour le devant et pour le derrière. Pour le devant, la différence, c'est que ici, on va rajouter pour faire une encolure. Ici, tac. À droite et à gauche, on va rajouter des rangées. Vous pouvez faire autant de rangées que vous souhaitez. Vous pouvez faire une tunique à partir de cette base. Vous pouvez faire une robe. Voilà. On va commencer de bas... Enfin, c'est-à-dire du bas en haut, d'accord, sur une base chaînette avec un point élastique. Et ces points élastiques sur les côtés, on les fera après, ok.
Voilà en gros ce que nous allons faire. Alors je vais vous montrer comment on fait la partie de devant et la partie de derrière, c'est presque la même chose, hein, à part que eh ben, au lieu de faire ici une encolure, vous allez continuer le point. Voilà, tout simplement pour la partie de derrière. Il faut qu'il y ait bien sûr le même nombre de rangées d'un côté et le même nombre de rangées de l'autre. Là, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Là, j'ai fait la partie... là, je suis en train de faire la partie de devant qu'on va faire de toute façon ensemble. Hein. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que je vais vous apprendre à réaliser. Si vous ne voulez pas les torsades dans le dos... Sachez que vous continuez simplement le point utilisé. Hein. C'est parti pour 84 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Voilà, 84 mailles en l'air. Alors ici, on va monter deux mailles en l'air qui vont nous servir juste pour prendre de la hauteur, d'accord, elles ne servent pas de bride, donc on fait juste deux mailles en l'air et dans la troisième maille en l'air, vous voyez que j'ai bloqué ici exprès, on va sauter une, deux, donc dans la troisième maille en l'air on va faire la première bride et on va faire une bride dans chaque maille en l'air jusqu'à revenir donc au début et on devrait avoir un total de 84 brides. Alors 1, 2, 3, 4 et 84 brides. On monte deux mailles en l'air et on tourne. Ici, le point élastique, il sera toujours dans un sens, c'est-à-dire recto. Il y a un recto et un verso. Alors, dans la même bride, nos deux mailles en l'air nous aident juste à monter la bride. Hein. Dans la même bride, on va faire notre première bride qu'on fait normalement, d'accord? La bride suivante, on va la faire en relief à l'avant, c'est-à-dire qu'on va contourner, alors, contourner la bride à l'avant. La bride suivante, on la fait normalement, donc en haut de la bride. Et la suivante, on la contourne. Voilà, on appelle ça à l'avant, même si on contourne de par l'arrière, en fait. On la fait ressortir, comme ça, à l'avant. Vous voyez? Alors, la suivante, ben, en haut de la bride. Et la suivante, en relief, à l'avant. La suivante, en haut de la bride. La suivante, en relief, à l'avant. La suivante, en haut de la bride, la suivante en relief à l'avant. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire donc pour cette deuxième rangée. Si vous êtes comme moi ici et que la dernière normalement vous devriez la faire en relief à l'avant, et ben vous faites simplement le relief sur la bride et vous écartez en fait les deux mailles en l'air. Voilà. Donc, pour la rangée suivante, on monte deux mailles en l'air et on tourne. Toujours dans la première bride, même si elle est en relief à l'avant ou à l'arrière, on fait la bride normalement, en haut. D'accord? Alors, ici, du coup... La suivante, elle est
normal, vous voyez? C'est pas grave en fait, hein. Si dans les extrémités on a deux brides qu'on fait en haut, c'est pas grave. L'important c'est de commencer toujours par une bride normale, même si dans le tour précédent elle était en relief. Donc la suivante elle est normale, vous voyez, puisque on la voit ici. Et quand on retourne, elle est pas en relief. On va dire ça comme ça. Donc on fait une bride normalement. Hop là. Ensuite, la suivante, elle est en relief. Dans le tour précédent, elle était en relief à l'avant, donc maintenant on va la faire en relief à l'arrière. C'est-à-dire que vous allez la contourner ici, vers l'avant. Là, va falloir vous habituer au relief, hein, parce qu'il va y avoir pas mal de relief. Vous voyez, elle suit la bride d'en dessous, du coup. La suivante, eh ben, on la fait normalement. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est normale ici. Elle est attachée ici vers nous. Et la suivante, elle est comme détachée ici. Vous voyez? Donc, vous suivez simplement. La suivante normale, la suivante en relief arrière, la suivante normale, la suivante en relief arrière. Ne serrez pas trop, hein. La suivante normale, la suivante en relief arrière. C'est pour ça qu'on a pris un crochet un petit peu plus grand que conseillé. La suivante normale, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée. Vous voyez, elles se suivent. Enfin, elles sont alignées. Voilà, arrivé à la fin, on termine en faisant une bride en haut de la dernière bride. Faites attention, hein, veillez bien à avoir toujours 84 brides. Hein. 2 mailles en l'air, et pour la rangée suivante, bah, on va alterner, c'est-à-dire que on va donc faire notre bride, notre première bride dans la même, et la suivante, et ben, on la fait en relief avant. Et alors, moi je vais vous donner un petit conseil, les reliefs, faites-les toujours bien en haut de la bride pour que ce soit bien joli. Ok, vraiment en haut. La suivante, on l'a fait ben, dans la bride, en haut de la bride. La suivante en relief avant. La suivante en haut de la bride. Oula. Et vous allez faire, donc, alterner à chaque fois entre une rangée en relief avant, une rangée en relief arrière. Je vais vous dire combien de rangées j'ai fait au total. Mais voilà, ça c'est le résultat que vous devriez avoir. J'ai fait un total de 6 rangées. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 rangées, je vais en faire 2 de plus et ensuite on se verra à ce moment-là. Et voilà, donc une fois que vous avez le nombre de rangées de 6, de points élastiques, on va faire une rangée de mailles serrées pour préparer en fait le reste. On monte une maille en l'air, on tourne. Dans la même bride, on fait la première maille serrée. Comptez bien que vous ayez 84 mailles serrées dans mon cas. Et dans votre cas, si vous faites une taille plus grande, bon bah, le nombre de mailles que vous avez comptabilisé. 3, 4, 5 et 84 mailles serrées. Maintenant, on va faire des mailles serrées allongées dans les 36 mailles serrées suivantes. Alors, pour faire ça, on monte une maille en l'air et on tourne. On va faire la première maille serrée allongée dans la même maille. Pourquoi on fait des mailles serrées allongées?
parce que au centre, au niveau des torsades, on va travailler des brides et des doubles brides. Donc il nous faut un point qui soit un peu plus haut, mais pas aussi haut et aussi épais qu'une demi-bride ou qu'une bride. Donc on va utiliser la maille serrée allongée. Vous allez voir, ça va être très facile. En plus, ça donne un joli rendu, ça change un peu. Donc dans la même maille serrée, on rentre, on prend le fil, et ici, au lieu de fermer comme d'habitude la maille serrée de cette façon, on va simplement passer dans la première boucle et ensuite on passe dans les deux. On rentre dans la maille serrée suivante, on passe dans la première et ensuite on passe dans les deux suivantes. Et on les compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 36. Et 36. Maintenant, on va faire des brides en relief avant dans les 12 mailles serrées suivantes. On va rentrer ici, hop, en prenant le devant. On fait une. Deux. Trois. 4 et 12. Et ensuite on continue, donc dans la maille serrée suivante, on va terminer par 36 mailles en mailles serrées allongées. 1 2 3 et 36. Pour le tour suivant, on monte une maille en l'air, on va faire donc 36 mailles serrées allongées jusqu'à arriver aux 12 brides, pardon, en relief. Comptez bien vos mailles serrées. 1 et 36. Maintenant, dans les 12 brides suivantes, on va les faire en relief arrière. Une. Deux. Trois. Onze et douze. Et ensuite, on reprend les mailles serrées allongées. Et on doit en avoir 36. 1, 2 et 36. Alors maintenant, je vais vous numéroter ici 4 tours, enfin rangées. Ce sont les 4 rangées qu'il va falloir à chaque fois répéter, d'accord, pour avoir notre tresse alignée. Donc on va pas refaire ici, je vais pas vous remontrer à chaque fois ici, c'est 36 mailles serrées allongées, 36 mailles serrées allongées de l'autre côté, ok, 4 tours. On va se retrouver ici. Moi je vous conseille de compter les mailles serrées dans un premier temps jusqu'à ce que vous vous fassiez en fait au point, surtout si vous êtes débutante sur les torsades. Comptez-les, hein. Il faut qu'on ait bien 36 d'un côté, 36 de l'autre, hein, ou ceux que vous avez comptabilisés au départ. Et voilà, maintenant on va se retrouver à chaque fois ici avec le numéro des rangs de 1 à 4. Une fois que je vous aurai montré les 4 rangs, il faudra répéter à chaque fois 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que quand vous finissez le rang 4, hop, vous recommencez au rang 1.
etc. Ok, on se voit tout de suite ici. Donc on va faire nos 36 mailles serrées allongées. On va se retrouver ici pour débuter la torsade. Donc nous voici dans notre rang numéro 1. On va faire deux jetés car on va travailler des doubles brides. On va sauter les 4 premières brides. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, hein, en prenant le brin, enfin en relief avant, on va faire une demi-bride, une double bride. 1, 2 et 3. Deux jetés. Dans la bride en relief avant suivante, on fait une deuxième double bride en relief avant. Deux jetés. Dans la troisième, enfin dans la suivante, pareil. Et dans la quatrième, pareil. On va travailler de 4 en 4, vous allez voir. Maintenant, les 4 brides en relief qu'on a sautées ici, au début, on va travailler dedans. Donc on fait 2 jetés. Et on va passer, voyez, on va, si il vous est plus facile pour vous de vous placer comme ça, vous vous placez comme ça. Hop. Moi, pour moi, c'est plus facile de vous montrer dans ce sens-là. Donc, on va prendre la première bride en relief avant ici et on va faire une bride en relief avant. Double bride, pardon. Double bride en relief avant. Ok. Deux jetés. Dans la suivante, qui est juste à côté, double bride en relief avant. Deux jetés. Dans la suivante qui est juste à côté ici, double bride en relief avant. Deux jetés. Dans la quatrième et la dernière ici, hop, double bride en relief avant. Et voilà, on a déjà un croisement. Il nous reste ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4 brides en relief avant. On va le faire 4 brides et non double bride, attention ici, en relief avant. 1, 2, 3 et 4. Voici pour notre premier rang, donc, de torsades. Ensuite, on reprend 36 mailles serrées allongées jusqu'au bout. Et ensuite, donc, 36 et 36 en revenant, on va se revoir pour le deuxième tour de torsades. Nous voici pour le tour numéro 2. Alors, vous voyez, on va travailler dans les 12 mailles, hein, parce que ici on a des brides et puis ensuite des doubles brides. On va faire 12 brides en relief arrière dans chacune des mailles. Donc, vous pouvez regarder à l'arrière ici, on a les 4 brides. Donc, on va faire 4 brides en relief arrière. Pour commencer, 1, 2, 3 et 4. On va aller de 4 en 4. Ici, on va faire les 4 qui sont ici, croisés ici. Vous voyez, les 4 dans les 4 doubles brides. Hop. Une. Deux. Et la dernière ici, 4. Et maintenant, les 4 qui sont ici. D'accord? On va rentrer de cette façon, hop, contourner. Une.
2. Et 4. Voilà, ça c'est pour le deuxième tour. On va continuer. Donc, on fait nos 36 mailles serrées allongées jusqu'au bout et nos 36 mailles serrées allongées. On revient ici. Je vous montre le tour numéro 3. Alors, pour ce tour numéro 3, soyez bien vigilant parce qu'ici ça se complique un chouïa. Alors, on va faire là 4 brides en relief. Dans les 4 brides en relief qui sont ici en avant, bien sûr. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va travailler des doubles brides. On fait 2 jetés. On saute les 4 premières doubles brides. Et dans les 4 brides en relief ici, on fait 4 doubles brides. En relief avant. 1. 2. Trois et 4. Ok. Et maintenant, on va faire 4 doubles brides en relief avant, dans les 4 qu'on a sauté, mais pas en dessous. Vous allez voir. Deux jetés. On passe par en dessous. Et la on prend en relief avant la première, ici vous voyez, bride. On la ramène ici à l'arrière et on fait une double bride en relief avant. N'ayez pas peur de tordre le maillage, il va se remettre droit. Deux jetés. À nouveau, on passe par en dessous les quatre ici, hein. Par en dessous. Dans la deuxième, on prend de droite à gauche, donc bien en relief avant, on ramène le crochet et ici on fait notre double bride en relief avant. Deux jetés. C'est reparti pour la troisième. Hop. Et deux jetés. Et la dernière, elle est ici. Hop, je ramène le fil pour éviter de m'emmêler avec celles qui sont devant. Et je fais ma double bride en relief. Ah bon. Donc on remet tout ça en place. Voilà. Et on termine les la ranger avec les 36 mailles serrées allongées de l'autre côté. On va se revoir. Donc, une fois qu'on va, faire l'aller et retour avec les mailles serrées allongées pour faire la troisième rangée du motif. Excusez-moi, je vous ai dit troisième rangée. Non, c'est la quatrième et la dernière rangée du motif. On va faire des brides en relief arrière sur toutes nos mailles. Alors, on commence par les 4 premières qui sont ici, donc de travers. 1, 2, 3, 4. Toujours par 4. Hein, en relief arrière. 1. 2. 3. Et regardez bien parce qu'ici il y en a une ici et ensuite les autres elles commencent là. Donc, faites bien attention. La quatrième elle est ici. Hop. Et là je refais.
4. Ensuite, les 4 qui sont ici. Une. Deux. Trois. Et quatre. Et les quatre dernières, elles sont ici. Une, deux, trois et quatre. Ensuite, une maille serrée allongée dans chacune des 36 mailles serrées suivantes. Et ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois, les amis. Là, une fois que vous avez fini la quatrième, vous allez revenir un peu avant dans la vidéo et vous recommencez ici par la rangée 1, ensuite 2, 3, 4, d'accord? Jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez en longueur. Voilà, les amis, pour la partie de devant. Donc, j'ai fait ici 6 rangées de plus de 24 mailles serrées allongées, donc de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait donc la partie de derrière en entier, la partie de derrière doit être comme ça et la partie de devant comme ça. On va faire un point élastique. Donc, enfin, à faire 4 côtés de points élastiques, 2 pour le devant et 2 pour le derrière. On va avoir besoin du même nombre de brides de départ pour chaque côté. Moi, dans mon cas, j'ai fait 86 brides de départ pour chaque côté. Vous faites un nœud magique et vous rentrez ici au début. Et là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Ensuite, on va faire les brides donc dans les espaces entre les rangées de mailles serrées allongées. Et une bride dans la maille serrée allongée. Une bride ici dans l'espace entre les rangées de brides et une bride en contournant la bride allongée. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, puis vous allez les compter. 6, 7, et voilà. Alors bien sûr, vous devez avoir le nombre de brides par rapport à la hauteur que vous avez fait. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. On va faire 7 rangées. Là, j'en ai fait une. On va faire la deuxième. Vous faites vos 3 mailles en l'air et vous tournez. Vous avez ici votre première bride. Donc, la bride suivante, on va la faire en relief avant. Donc, on va la contourner vers l'avant. Et la suivante à l'arrière. La suivante en relief avant. La suivante en relief arrière. La suivante en relief avant. Et la suivante en relief arrière. Et on va continuer comme ça, toute la rangée. Lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, il me reste là deux brides. La suivante en relief arrière.
Et la dernière, on la fait ici, dans les trois mailles en l'air. Pour le tour numéro 3, c'est le tour que l'on va répéter jusqu'à avoir 7 rangées. On monte 3 mailles en l'air et on tourne. Et là, vous allez faire les brides en relief telles qu'elles apparaissent, c'est-à-dire telles qu'elles se présentent à vous. La, suivre, la première ici, vous voyez qu'elle est en relief avant. Donc, on fait une bride en relief avant. La suivante en relief arrière. La suivante en relief avant. Et la suivante en relief arrière. Et on va faire ça jusqu'à la fin. À la fin, vous terminez comme on a terminé ici. Et vous redémarrez les rangées à chaque fois de la même façon. Vous faites les brides en relief avant et à l'arrière telles qu'elles se présentent. Et on va faire donc 7 rangées en tout. Une fois que vous avez fait les points élastiques, vous allez coudre donc au-dessus. Moi, je vous conseille de vous fier aux mailles serrées. Puis vous allez coudre donc des deux côtés. Et on va coudre également les boutons. Vous allez placer les boutons où vous voulez. Et vous allez coudre les deux pièces donc en même temps. Une fois que vous avez cousu les 4 boutons, on va s'occuper du col. Alors pour le col, on va rentrer ici dans le coin. On fait un nœud magique avec le fil. Et on va faire donc un tour de maille serrée tout d'abord. On rentre. On fait une maille en l'air et puis on va venir cacher le petit fil brun et on va faire une maille serrée. Alors ici on a donc les mailles serrées en rangée, donc c'est une maille serrée dans la maille serrée allongée et une maille serrée entre les mailles serrées allongées. Et là, une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je coupe le fil une fois qu'il est bien caché. Là, c'est facile. Lorsqu'on va arriver au niveau des torsades, et ben on va faire une maille serrée dans chaque bride ou double bride. Ah, ici on a une bride, on fait une maille serrée, 2, 3 et 4. Ensuite c'est ici devant, 1, 2, 3 et 4, et les 4 dernières, 1, 2, 3.
Hop là. 3 et 4. D'accord? Et on continue. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On va faire tout un tour de mailles serrées. Et on se voit à la fin. Une fois qu'on a fini le tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Ici, on va faire une chaînette qui va donner la hauteur du... On va faire un col roulé sur cette base, sur ce tour de mailles serrées. Et on va compter 1, 2, 3, 4. On va faire la hauteur. Donc ça dépend. Je vais essayer de faire moi un col roulé que l'on puisse retrousser. Donc je vais faire quand même pas mal de mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait 34 mailles en l'air pour pouvoir retrousser le col. Alors, ensuite, alors... à partir de du crochet, on va faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air. Et on va faire une maille serrée donc dans chaque maille en l'air donc de cette chaînette. Là, j'en ai 2, 3, 4 et au bout, je devrais en avoir 33 du coup. Et voilà, j'ai bien 33 mailles serrées. Ensuite, une maille coulée dans la maille serrée ici, donc sur le col, une maille coulée et une maille coulée dans la maille serrée suivante. On tourne ici, on a déjà fait ce point plein de fois. Hop. Et à partir, donc on va sauter les deux mailles coulées que l'on vient de faire, qui sont ici. Une et deux. Et donc dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Toujours en prenant le brin arrière. Une, deux, trois, quatre, cinq, 32 et on n'oublie pas le dernier. Et le dernier, on va le faire avec les deux brins. On va faire la dernière maille serrée avec les deux brins. Une maille en l'air et on tourne. Dans la même maille, en prenant les deux brins, toujours à l'extrémité ici, on va faire la maille serrée en prenant les deux brins. Mais ensuite, on fait les mailles serrées dans les brins arrière à chaque fois des mailles jusqu'à arriver à l'autre côté. Enfin, on doit toujours en avoir 33. Ici, on n'oublie pas la dernière maille serrée. Hop. Et puis, à nouveau, une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. On tourne. Et on saute bien. Une, deux, les deux premières mailles coulées et dans la première maille serrée, dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Et c'est ce qu'on va répéter tout le tour pour faire notre col roulé. Lorsque vous avez fait tout le tour, on termine en faisant une maille coulée, hop, dans la dernière maille. Oh, je vais y arriver. Et on sort le fil, c'est comme ça que je fais. Je me mets de profil et ici j'ai ma chaînette de base. Donc je vais rentrer dans le premier brin de ma chaînette de base et dans le brin avant de la première maille serrée ici de l'autre côté. Je prends le fil, hop, et je fais une maille coulée. Et voilà. Je rentre dans la maille suivante dans le brin avant de la maille serrée suivante et je fais une maille coulée. Pareil pour la suivante. Et on va faire ça donc jusqu'au bout. Ensuite, on n'aura plus qu'à cacher les petits fils.
Arrivé à la fin, on termine en faisant une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe, on passe, on serre et on cache tous les fils. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins, prenez soin de vous surtout, aimez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao !